Oh, la sorte de la tête et le poteau. Oh, oh, c'était splendide de la récupération du ballon à l'arrivée de la surface de réparation. C'est une tête des croisés des Brestois qui trouve le poteau de Ruben Blanco. Toujours 0-0 après 33 minutes de jeu. Mais de la récupération de Pierre Lesmelou à l'entrée de la surface de réparation brestoise dans les pieds de Gerson jusqu'au poteau. L'action était d'école, absolument splendide, avec un renversement de jeu de Magnetti vers Pereira Lage. Le centre ajusté pour la tête de Ledouaron qui vient décroiser cette tête sur le poteau. C'était du grand art cette action brestoise. Sending Under qui attend le coup de sifflet. Ça y est, il va s'élancer. Le ballon est parti dans les airs. Non, finalement, ça va être en retrait pour Jonathan Clauss. Jonathan Clauss pour mettre une balle au second poteau. Tavares, c'est le but. Le but. Le but de Tavares. 1-0 en faveur de l'Olympique de Marseille. Et c'est Jonathan Clauss, le piston droit, qui trouve Nuno Tavares, le piston gauche. Renversement de jeu complet. Et elle est travaillée nécessairement à l'entraînement, cette mise en place sur corner avec ce ballon en retrait pour Jonathan Clauss, pour que tous les attaquants tirent la défense brestoise vers le gardien, et ça fait 1-0. Attention à Belaïli, il est tiré bien en général. Et c'est frappé tendu, au second poteau ce sera pour une tête, la tentative de reprise de la lutte, il est splendide. La reprise de Lesmelou, la reprise de Lesmelou, elle est extraordinaire. Le coup de canon à Francis Leblay, Lesmelou à 30 mètres sur ce ballon dégagé par la défense olympienne. Il arrive lancé, un équilibre splendide, on lance avec capable, mais ça fait un moment qu'on l'avait plus vu en ligue. Et bien le voilà, Pierre Lesmelou, la reprise, l'équilibre parfait, et ça part sous la barre d'un Ruben Blanco, spectateur presque admiratif. C'est terminé pour cette rencontre, un but partout entre le Stade Brestois et l'Olympique de Marseille. On a vu un très bon match de football à Francis Leblay avec un but signé Tavares à la 38e et un chef-d'œuvre, un bijou de Lesmelou à la 61e.